Merci. Ah, mais cet homme-là, je merci crois qu'il va être mon ennemi pendant toute cette émission. Ah. Pourquoi? Parce que tu es un de ces hommes qui aiment des grosses seins. Par excellence. C'est l'entier par excellence. Ah, c'est parti, c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on peut naître anglophone? Donc, forcément, donc, à Sainte-Lucie, anglophone. Et réussir en tant que styliste à Paris, apprenti styliste. Qu'est-ce qui s'est passé, là, entre tout ce temps? Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, en fait. Ouais, depuis tout petit. Depuis tout petit. Vous saviez que c'était ça que vous alliez faire. Votre voix. Il y a même une anecdote par rapport à ça. Parce que quand j'étais un gamin, j'avais 6 ans, ma grand-mère qui était retoucheuse de mode, moi, je passais la plupart du temps avec elle parce que je regardais ce qu'elle faisait. Parce que j'étais un enfant qui était très turbulent. So, elle ne voulait pas que je fasse des bêtises. So, elle demandait que j'assis à côté d'elle. C'est indirectement, non, je ne faisais pas, je regardais. Indirectement, je regardais. Mais ma grand-mère, elle a eu un problème. Elle a décidé d'aller voir une copine à elle qui était styliste. Elle s'appelle Mademoiselle Steve. Et cette dame faisait des choses magnifiques que ma grand-mère ne pouvait pas le faire. Donc, quand elle a eu un problème, elle allait voir cette dame. Et ce jour-là, ma grand-mère a décidé de me ramener avec elle. Et en entrant dans l'atelier de cette dame, j'ai découvert ma vocation. Mais malheureusement, je ne connaissais pas le titre de cette vocation. Mmh. Je ne savais pas, c'était styliste en fait. Mais je savais, avec toutes ces couleurs, avec tous ces boutons, avec les tissus, je voulais faire ce métier. Et comme un enfant, tu es très content, tu as envie de partager ça avec tout le monde. Et je m'en rappelle, pendant le Noël suivante, mes parents tout autour de la table, avec les tantes, avec les oncles, les cousins et tout comme ça, on pose la question à des gamins, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous allez grandir? Et tout le monde, mes frères voulaient être mécaniciens, l'autre voulait être pompier, médecin. Et moi, mon tour est arrivé. Et moi, Steve. je disais, je voulais être Mademoiselle Steve. Et là, vos parents vous ont regardé. Silence total. Les gens se sont tombés des chaises. Parce qu'ils n'ont pas compris que je voulais faire le métier de cette dame-là. Ils croyaient que je voulais être transsexuelle. Ouais. D'accord. Et ils vous ont dit quoi, du coup? Et je l'ai beaucoup souffert dans mon enfance. Parce que la famille m'a appelée Mademoiselle Steve pratiquement toute mon enfance. Ah, ils n'avaient pas compris le message, en fait. Ils n'avaient pas compris le message, en fait. Ils n'avaient pas compris que c'était la vocation de cette dame-là. J'ai découvert et je voulais faire ça. Et ça m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vous n'avez pas cherché à leur expliquer, malgré tout, ce que vous entendiez par là? Parce que dans une famille comme la mienne, les enfants, ça se voit, mais ça ne se parle pas. Wow.